avec la première review de la gamme de jouets Transformers The Last Night, donc le cinquième film sorti récemment au cinéma. Et donc on va commencer avec Berserker. Donc Berserker, en termes de figurines, c'est un remold, donc une nouvelle figurine basée sur l'apparence de Crankcase, qui était un Decepticon de Dark of the Moon. Donc basiquement ça va être le même personnage, physiquement en tout cas. Au niveau du jouet, il est complètement différent. Voilà, il va avoir le même alt mode, encore que dans le film, on ne voit jamais son alt mode pour la simple et bonne raison qu'on ne le voit à peine, ce Decepticon. Et quand je dis à peine, alors attention spoiler, si tant est qu'il y a des choses à spoiler dans le film qui est The Last Night, même si on n'est pas là pour juger le film, Megatron demande aux humains la libération de plusieurs Decepticons, 5 ou 6 Decepticons. Qui nous sont brièvement présentés, voilà, pendant quelques secondes. Se demander d'ailleurs comment les humains font pour retenir des Decepticons prisonniers, je demande à voir, mais bon, bref. Et en l'occurrence, parmi ceux-ci, il y a donc Berserker. Et donc on le voit, et c'est le seul que les humains refusent de libérer, visiblement, parce qu'il est trop brutal, trop violent. Voilà, on voit aussi un Decepticon appelé Dreadbot, qui a la même apparence que l'autre Dreadbot qu'on voyait dans Dark of the Moon, qui est Crowbar. Lui, on va le voir, brièvement, et se transforme, lui, en van Volkswagen. Donc lui, voilà, il a un jouet, il a un alt mode, mais en fin de compte, dans le film, on ne le voit pas. Enfin, bref. On va dire qu'on le voit. Donc c'est assez surprenant, mais la figurine est là. Donc le mode, toujours dans son mode Cyberban Chevrolet. Bon voilà, il est plutôt sympathique, hein, ça va, assez classique. Bon, on voit tout de suite les panneaux là qui se séparent. Ça tient pas trop mal. Alors à noter que le mien, il y a un léger petit défaut en fin de compte, c'est que. Non, bah là ça va, ça se voit pas trop. Mais hop, je l'ai déverrouillé là, mince. Voilà, alors ça a tendance à sauter facilement. Le mien, le panneau, ça se voit pas trop. Là encore, j'ai plutôt réussi à bien le cacher, mais ce panneau-là était tordu. Et du coup, il y a toujours une espèce d'ouverture qui reste là. Mais sans quoi, voilà, il roule bien. Le logo Decepticon des deux côtés. Les phares sont peints, les gyrophares sont peints. Les vitres sont peintes. Le logo Chevrolet est peint. Le voici à côté du jouet de la gamme Dark of the Moon. Qui était quand même, en termes de véhicule, nettement plus joli. À noter qu'il est un peu plus gros, le Dark of the Moon, et déjà à l'époque on trouvait qu'ils étaient petits. Et pourtant il est plus gros que celui-ci. Bon, alors ce qui fait cet effet là aussi, c'est que les roues sur celui-ci sont positionnées beaucoup plus basses. Je sais pas trop comment le dire, mais du coup ça fait un véhicule plus haut, voilà. Mais malgré tout, et puis sur celui-ci, bon voilà, les phares étaient en semi-transparence, pareil pour les gyrophares, bon les roues c'est moi qui les avais peintes, mais bon voilà. On avait un véhicule quand même un peu plus classe, et puis le noir est un peu plus brillant. Donc voilà. Voilà. Notre Berserker, le mode véhicule est sympa. Mais voilà, c'est pas trois pattes à un canard. Donc on va passer à la transformation. Ah j'oublie, il y a ses armes en dessous. Donc les armes que on s'y perd à force que Crankcase avait dans Dark of the Moon. Donc la transformation, elle est plutôt simple. On va commencer par ouvrir la calandre là, bon, comme ceci. On va séparer ces panneaux là, des deux côtés. Hop. Comme ceci. Et donc en fin de compte, la transformation est assez simple puisque tout le dessus de la carrosserie va se concentrer sur son dos. Comme une petite tortue qui porterait sa maison. Donc voilà, on a ça là. On va venir séparer, sortir les jambes en dessous là, comme ceci. Voilà. Ah j'ai oublié, on va relever ça. Là, on va écarter ce qui va être les bras, ces panneaux là. Et là, vous allez pouvoir, hop. Voilà, donc tout ça va se concentrer sur son dos, donc tout le dessus de la carrosserie. On plie une fois, on plie deux fois, et on va venir le clipser là. Donc vous avez deux trous ici, deux picots là. Et donc voilà, hop. On va venir complètement déplier le bassin pour venir le positionner ici. Donc il n'y a pas de... Alors ça tient moyennement, il n'y a pas de... Voilà, vous voyez, il n'y a pas de clips, il n'y a rien. Ça tient comme ça peut. Voilà. Alors au niveau des jambes, donc là on va bien remonter ça là, voilà, pour que ça tienne un petit peu mieux. On va pivoter les cuisses. Vous allez sortir les pieds au niveau des. Enfin les parties des talons. On replie les jambes. Voilà. Les bras, vous allez les sortir comme ceci. Voilà, on a les mains, les deux tant qu'à faire. On va replier partie de la carrosserie là, hop.
pareil là. Vous allez avoir ces espèces de pics là. Hop, à cet endroit-là. Et voilà, donc là, a priori, on est bon. Donc bien positionner le bassin. Et après, bah, c'est juste du positionnement. Ce qui, logiquement, sur cette figurine, n'est pas trop problématique. Et voilà, hop. Voilà. Et donc, comme je vous l'ai dit, transformation assez simple, assez basique. Et on va se faire une remontée de caméra pour avoir notre ami Berserker en mode robot. Et ben, il est excellent. Je le trouve vraiment génial. En tout cas, au niveau de la forme, il est vraiment super beau. Donc, il est plutôt fidèle. Il a surtout sa bonne gueule de... qui ressemble pas à un porte-bonheur, comme dirait l'autre. Hop. Parce qu'évidemment, il a clairement une gueule de Predator, donc avec son espèce de masque, sa bouche avec des espèces de mandibules et ces espèces de dreadlocks là, qui partent derrière la tête là. Voilà. Non, vraiment, il a un très très bon look. Voilà, il est surtout très très fidèle à l'apparence qu'on lui a dans Dark of the Moon. Parce qu'encore une fois, le traiteur en l'occurrence, c'est ce qu'on a dans Dark of the Moon. Il a vraiment une bonne allure, quoi. Vraiment une allure de prédateur, de fauve, quoi. Vraiment de créature plus humanoïde que robot, mais vraiment il est excellent. Alors j'aimais déjà bien le jouet Dark of the Moon, que je trouve encore très bien. Hein. Voilà. Mais là, clairement, on a une transformation qui est alors très simple. On va le voir, hein. Comme je vous l'ai dit, on a toute la carrosserie pratiquement qui est concentrée dans le dos, à peu de choses près, mais donc transformation assez basique comme on en voit maintenant beaucoup, mais en l'occurrence le mode de robot n'en souffre pas, contrairement à ce qu'on peut avoir par exemple avec Barricade, où Barricade, bon bah malheureusement sa carrosserie est dans le dos et ça fait un peu comme on avait sur Roadbuster Dark of the Moon, c'est trop visible, ça fait un gros kibble, et là pour le coup c'est assez raté, alors que là ça passe plutôt bien. Et voilà, il a vraiment une très très bonne allure. Alors, il y a la couleur qui est un peu moyenne, hein, du gris essentiellement plastique, du gris un peu plus foncé, un peu brillant au niveau des griffes. Il y a cette espèce de croix rouge, voilà, un peu de rouge sur les bras aussi. Bon, encore une fois, c'est un peu difficile de voir si c'est justifié ou pas, mais la tête est plutôt belle en termes de couleur. Bon, les mains avec les griffes orange, donc à noter qu'il n'a pas, même si on voit le majeur qui ressort, il a plus ces espèces de grands majeurs, ces grandes pointes. Qu'ils avaient carrément coupé sur Dark of the Moon, donc peut-être ils n'y ont pas pensé, ou juste pour éviter justement le souci avec le jouet. Voilà, et surtout, ce qui a été très très bien réussi, je trouve, sur lui, ce qui rend vraiment génial, et une particularité de ce robot, c'est les jambes. Puisque là, il a vraiment les jambes, alors qu'on appelle les pattes de poulet, mais moi qui me font plus penser à des pattes d'info, parce que la plupart des quadrupèdes ont des jambes, voilà, qui sont vraiment incurvées comme ça. Et là vraiment c'est très très bien rendu, donc vous pouvez lui donner des poses très très dynamiques grâce à ça, voilà, donc hop, globalement ça tient plutôt bien. Vous avez également l'articulation, enfin qui sert pour la transformation au niveau du bassin, qui fait que voilà, on peut vraiment pareil jouer là-dessus pour faire quelque chose de vraiment bien. Vraiment il a très... On peut lui donner de très très bonnes poses. Et ça, je trouve que c'est génial. J'adore vraiment ce qu'ils ont fait avec les jambes. Alors moi, je trouve ça classe. Je trouve ça très très classe. Voilà, il tient globalement bien. Vraiment très très dynamique. Il a vraiment un très bon look. Ils ont très bien cerné le personnage qui avait vraiment un look atypique que j'adorais dans Dark of the Moon. Une des meilleures scènes du film, d'ailleurs, la scène d'action où il se combat avec Ironhide et toute la poursuite sur l'autoroute. Voilà, dommage qu'on ne les voyait pas plus, et dommage qu'on ne le voit pas dans The Last Night. Articulation, bon bah vous allez avoir un ball joint au niveau des épaules, plus ce pivot-là. La tête, elle est sur un ball joint plus un pivot, donc voilà, on peut bien la rabaisser. Vous allez avoir cette articulation, enfin c'est pas vraiment une articulation, ça sert pour la transformation, mais du coup, elle est plutôt bien placée. Ball joint au niveau des hanches, les cuisses qui pivotent, et puis là vous avez l'articulation au genou, et là vous pouvez le redresser, hein, si vous voulez le mettre un peu plus droit. Alors attention, parce que là c'est des espèces d'articulations crantées, donc on peut pas exactement le mettre comme on veut, mais voilà, si vous voulez vraiment le faire se redresser, et ben c'est possible, il n'y a pas de souci, il peut le faire. Voilà, un peu plus droit. Donc vraiment, non, vraiment très très bien articulé, super classe.
À noter qu'il vient avec ses armes, donc qu'on voyait dans Dark of the Moon. Donc on peut les mettre dans chaque main, comme ceci. Hop. Et bon, c'est des espèces d'armes qu'il lançait dans la tronche, notamment je crois que c'est Iron Man qui s'en prend dans la tronche, mais je suis pas vraiment sûr de ce que c'est comme arme. Les armes de poing de toute évidence, mais voilà, ils sont là, au moins. Sachant que les mains sont très souples et les trous gros, donc il peut pas vraiment tenir de flingue, d'autres flingues. Un petit comparo avec Crankcase, voilà. Donc que là j'ai redressé, donc il fait un peu plus grand. Hop, on va le remettre. Voilà, donc là où il... Alors, encore une fois, j'adorais ce jouet, je le trouve encore très très bien. Notamment au niveau de la couleur, il y a quand même eu un gros progrès. Enfin, il y avait un très beau travail au niveau de la couleur, même si le gris, c'est moi qui l'ai retravaillé un peu. Et que le temps s'est passé. À noter que là, on avait des cheveux. Pardon, des cheveux. Souple, là c'est solide, mais du coup ça gêne moins. Voilà. Voilà quoi dire d'autre. Donc c'est surtout au niveau des jambes. Voilà, celui-ci au niveau des jambes, c'était bien. Hein, voilà, c'était à l'époque je le trouvais bien. J'adorais ce jouet. Encore une fois, je le trouve encore très bien. Mais là, c'est clairement mieux. Il n'y a pas de doute, il est mieux. Franchement, transformation plus simple. Melouk robot, excellent. Voilà. Excellent, vraiment fidèle, vraiment un très 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 beau robot, hein, qui aurait gagné à avoir une plus belle peinture que je vais de toute façon retravailler. Mais voilà, je suis très très satisfait de ce robot. Très très très. Alors, on va Satisfait. revenir en mode véhicule. On va déjà retirer les cartes. En mode véhicule, c'est pas compliqué, mais tout faire tenir, c'est un peu le bordel. Donc, on va remettre les bras. Hop. On va venir mettre ces espèces de pics là derrière les bras, il y a un picot de chaque côté, voilà. Hop, on va venir remonter les bras comme ceci. Voilà, on va hop tout de suite préparer la carrosserie. Voilà. Les jambes, on va replier le talon, on met les jambes bien droites, on pivote et on va venir replier le tout. Comme ceci, et on va venir. Alors, il y a un picot là et celui-ci qui va se mettre là. Donc, l'idée c'est de tout positionner tant bien que mal. Et ensuite, eh bien, on finalise tout, on fait en sorte que tout soit bien stable. Hop. Voilà, ce qui là n'a pas l'air d'être trop mal engagé. Voilà, ensuite on va venir positionner ça, on va venir bien reclipser là, et c'est là que les choses peuvent se gâter, mais c'est pas grave, puisqu'encore une fois l'idée c'est de tout positionner et on corrigera tout après. On va venir remettre le pare-brise et le capot, comme ceci, on va venir refermer ça, donc vous avez un picot à cet endroit-là et celui-ci qui va se mettre dans les cuisses là. Voilà. Pareil de l'autre côté. Hop, on referme. Hop. Et là voilà, c'est là que c'est un petit peu hop, agacé très légèrement. Le tout s'est bien positionné et en général on finit par éviter qu'il y ait trop d'espace de ci, de là. Hop. Et ça m'a pas l'air trop mal. Ensuite, vous remettez les armes en dessous. Vous avez les picots là. Et là. Voilà. C'est bien qu'ils aient poussé à l'emplacement des armes. Et ça m'a l'air bon. Non, pas tant que ça. On est bon. Voilà. Retour en mode véhicule. Voilà, bah vous l'aurez compris, je vous recommande hautement cette figurine. Alors les jouets sont chers, sont très chers. Je l'ai eu pour 22 euros, ce qui pour un Deluxe c'est très cher. Je ne sais pas s'ils vont baisser. En tout cas, c'est sûr que j'ai des vues. Il y a des endroits où ils sont moins chers que d'autres. Mais vraiment, s'il y en a un à avoir dans les Deluxe, je trouve que c'est celui-ci. Il est vraiment honnêtement, transformation simple, mais le mode robot, il dégage un charisme fou. Voilà, il est clairement plus fidèle que Crankcase en termes de figurines.
Voilà, franchement, c'est un des ceux que je voulais en priorité. Je l'ai eu, je le regrette pas. Donc, honnêtement, n'hésitez pas. C'est une très très bonne figurine. C'est une très bonne figurine. Voilà, n'hésitez pas, vous ne serez pas déçus. Je vous remercie tous d'avoir regardé cette review et je vous dis à la prochaine. Salut à tous. Transformers.